je suis créateur d'entreprise ici à Liège. J'ai créé une société qui s'appelle HipByte. Et le produit, c'est un outil de développement pour applications mobiles pour les plateformes Apple. Et donc voilà, j'ai créé cette société. Et avant, je travaillais aux États-Unis pour Apple pendant environ 7 ans. Donc je suis revenu ici à Liège faire une start-up. Je pense que l'erreur primordiale, c'est que les gens ont tendance à être trop perfectionnistes et à ne pas se lancer, à ne pas lancer le produit. En fait, ils ont tendance à travailler dessus. Et à se renfermer dans une sorte de cycle de plus ou moins dépression, parce qu'ils ont peur que le produit n'est pas assez bon pour être mis sur le marché. Ils ont aussi peur de la compétition et se disent il faut que j'affine mon produit. Et du coup, ils ont tendance à retarder le lancement du produit, ce qui peut vraiment, à mon avis, être un point négatif. Si les gens ont tendance à créer une société sans fonds, on leur apprend des investissements trop tôt, ce qui pose problème pour la vision de la société et son futur. Et ils ont aussi tendance à se lancer sans zen en fait, sans autre personne avec. Donc ça, c'est, je pense que c'est les problèmes principaux.